Contract, please. Okay. 4030-2800. Yep, this is the one. C'est comme ça que je suis fait en France. De quoi? Accélération, freinage. Je sais pas, moi j'ai pas le permis, mais. PRN. Ça c'est parking. Parking, R ça doit être. Je sais pas. Ah, je me dis putain, mais elle va bloquer si je passe pas de vitesse. Salut à tous, on est le 28 mai, il est 9h15 et on part enfin pour notre premier week-end depuis qu'on est aux USA. Mais en fait c'est la première fois pour pas mal de choses, parce que déjà c'est la première fois qu'on prend une voiture, mais elle était un peu stressée, mais là ça va. Après 15 minutes elle est déjà... Ouais. Première fois qu'on sort vraiment de San Francisco. Et donc là pour ce premier week-end on va se diriger vers le lac Tahoe, qui est une destination très populaire parmi les habitants de San Francisco pour les week-ends, que ce soit en hiver pour le ski ou en été pour aller se baigner. Nous on y va surtout pour faire de la randonnée, on en a pour 3 heures de route, mais on va faire des stops dans la route jusqu'à arriver à notre camping où on va dormir ce soir. Et je pense pas qu'on verra le lac aujourd'hui. J'adore l'automatique, je crois qu'elle m'a déjà séduit. C'est genre t'as rien à faire, t'es hop là, hop là, hop là, hop là. C'est vrai que ça a l'air beaucoup plus facile. Hein. Ouais, mais je te jure, ça m'étonne pas que les enfants de 14 ans puissent conduire ça. A l'inverse d'une manuelle, elle utilise qu'un pied du coup pour les pédales, parce qu'elle a qu'une pédale le frein, une pédale accélérateur, et du coup il faut absolument utiliser qu'un pied, parce qu'il faut pas utiliser les deux en même temps évidemment. Bah en fait, sur une manuelle, tu utilises toujours ton pied droit pour le frein et l'accélérateur, donc tu n'utilises jamais les deux en même temps. Ouais. Mais comme t'as le réflexe d'utiliser l'embrayage, pied gauche pour l'embrayage, t'es un peu. Il va faire quoi maintenant? Ça pose pas trop de problèmes quand même pour s'habituer. Non. La première sortie était horrible, n'empêche. Bam! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai pas eu appuyé sur le frein. Première connerie là, on est arrivé au péage sans cash parce qu'on n'avait pas de monnaie sur nous, en pensant qu'on pouvait payer par carte, et en fait non. Et du coup, le fait de ne pas avoir de cash sur soi quand tu passes un péage, c'est une violation de la loi californienne. Du coup, on doit payer une amende de 25$. Ça commence bien. Voilà, on s'est arrêté sur un petit village qui était sur la route, qui s'appelle Placerville, qui est en fait un village qui s'est un peu développé au moment de la ruée vers l'or. Il a vraiment le style village ruée vers l'or avec les sapins, les vieux bâtiments, très américain, donc c'est super sympa. Là, on s'arrête juste dans le parc avant pour manger, on ira se balader dans le village après. T'as assez? Ouais. Du coup, ce week-end, on va voyager à petit budget parce que déjà, c'est cher de voyager aux États-Unis, c'est clair que c'est plus cher qu'en Inde, ça nous change. En plus, on n'a pas encore. On a toujours qu'un salaire, on a toujours que le salaire de Maël, donc j'ai toujours pas de boulot. Du coup, on s'est préparé toute la bouffe en avance pour éviter d'aller manger au restaurant à chaque fois. On s'est fait une salade de riz, on n'a plus qu'à rajouter les boîtes de thon dedans et ça devrait nous faire tout le week-end. Par contre, si à San Francisco il fait toujours un temps de printemps du genre 20 degrés, grâce au courant marin, et là, dès qu'on s'éloigne un peu de San Francisco, dans les terres, il fait bien plus chaud, il doit faire presque 30 degrés. Pour le coup, on n'a pas prévu trop de... Parce que là où on va, au lac, on sera à 2000 mètres d'altitude, donc il fera quand même plus frais. Ce petit village, et là du coup on reprend la voiture pour aller à un autre endroit qui s'appelle Apple Hill, qui est à 15 minutes de voiture, même pas, et qui est un endroit apparemment où il y a pas mal de ranchs qui vendent des fruits, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment c'est un stop sympa sur la route. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
une pomme, moi ça me ferait bien du bien, un petit jus de pomme là. Ouais, j'avoue. Bah du cidre, c'est du jus de pomme. C'est du jus de pomme. C'est cool. Bon du coup on s'est posé là vite fait pour goûter un peu quand même les produits du coin. On a pris un jus de pomme parce que c'est le produit principal, d'où le nom Apple Hill. Ils vendent plein de fruits et putain il est excellent le jus de pomme. Il est trop bon. C'est super bon. On s'arrêtera là. Hein. Et le coin est super joli et on aperçoit déjà au loin les montagnes de la zone où on va dormir ce soir. Et c'est super joli. Tu goûtes pas les fraises ? Si, j'attendrai que tu la croques d'abord pour voir si tu t'évanouis. Dis-moi qu'elles sont monstrueusement plus bonnes que celles qu'on avait achetées. Non, elles sont sucrées, elles sont trop bonnes. Oh, on est obligé de s'arrêter là au retour pour faire un stock de légumes. S'arrêter à côté d'un petit lac qui s'appelle le lac de Jenkinson. On est peut-être encore à une heure du lac Tao qu'on verra pas aujourd'hui, mais du coup il est bien plus grand que celui-là, mais celui-là est quand même super joli. Du coup je voulais s'arrêter un petit coup, histoire de faire quelques photos, se balader un peu autour du lac. Et on voit déjà les montagnes qu'on va sûrement gravir demain au loin. Là, on a repris la route, il est 5h donc la journée va être finie. Là, je pense que tout ce qu'on va faire c'est conduire jusqu'à l'endroit où on va dormir ce soir. Et ce soir, on dort dans un endroit un peu paumé, dans un vieux ranch apparemment qui a été réhabilité en une sorte de camping. On a trouvé ça sur Airbnb. Puis une fois arrivé là-bas, bah, on montera notre tente, on ira peut-être se balader dans le coin. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais je crois que c'est vraiment un coin paumé pour les coups. On voit les montagnes là-bas. Là, on vient de s'engager sur une toute petite route et il nous reste 20 minutes de route, donc on est vraiment dans un coin tout paumé. Et à l'endroit où on s'est engagé dans cette route, il y avait un petit village qui s'appelle Kiburs, et enfin non, qui est même pas un village en fait, qui est t'avais un hôtel et un magasin peut-être et c'est tout, qui est vraiment au milieu de nulle part. On est enfin arrivé, ça s'est avéré être encore plus loin que ce qu'on pensait. On en a eu bien pour une demi-heure de route sur la petite route là. On s'était arrêté dans un premier camping alors que c'était pas là. Et ça a l'air super joli. Le terrain est superbe, ça a l'air super, trop cool. Je rentre. On a trouvé le mec du camping, Rob. Rod. Et Rod. Ouais. Rod, putain. Ils sont courts les noms américains, mais ils sont pas forcément faciles. Parce qu'ils en ont plein. Et là, on va le suivre. Il est avec son quad, il nous amène à notre endroit où on va pouvoir mettre notre tente. Super nice! Il y a des déchets ou. Super stylé. Il est juste à. Je le suis ou. Ouais, vas-y. Ok. Right. Yeah, usually in the afternoon, it can get windy around here, so we don't usually build fires in the daytime. Okay. But late afternoon, early evening, it gets nice and calm like this. Mm-hmm. You can build a fire, you know, smaller fire. Okay. Bon bah ça y est, on vient juste d'arriver là. L'endroit est parfait. On a même un endroit pour faire un feu de camp avec des grilles et tout pour cuire ce qu'on veut, faire à manger.
Comment? Ouais, il faudra qu'on achète des trucs parce que là, on a préparé plein de bouffe froide pour pas se galérer. En fait, on aurait pu ramener des trucs. Donc, je sais pas si on va quand même faire un feu. Bon, en tout cas, premier truc à faire là, c'est trouver l'endroit où on va mettre notre tente et la mettre. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment pas bondé, parce qu'on a croisé plein de campings où il y avait quand même pas mal de tentes, Maëlle. Là, on est juste, il y a trois campgrounds. Il y en a trois, ouais. Donc ça va être super. Super, ouais. C'est calme. C'est super joli. Je suis trop content. Non ? Ouais. Donc cette tente, c'est en fait notre coloc qui nous l'a prêtée, ce qu'on lui avait demandé. Donc c'était sympa, mais en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'elle était complètement trempée. Et donc, petit conseil, quand vous avez une tente qu'on vous la rangez, assurez-vous qu'elle ne soit pas trempée, puisque si vous la rangez trempée, elle va pourrir. Donc elle a une bonne odeur là, et le truc c'est que dormir dans une tente mouillée c'est le meilleur moyen pour se les cailler la nuit. Donc là on est en train complètement de la laver avec le sopalin, heureusement qu'on a amené beaucoup de sopalin. Et on est en train d'essayer de faire ce qu'on peut pour la rendre plus confortable. Et heureusement qu'on est arrivé, il restait un petit peu de soleil. On va se mettre de sorte à ce que le matin on ait les rayons du soleil sur la tente. On la secoue ? Ouais. Le cadeau empoisonné quoi. La tente mouillée qui pue. Ça c'est ce qu'on appelle un sac à viande. En fait c'est juste un drap cousu comme un sac de couchage on va dire. Et donc au lieu de vous mettre à même votre sac de couchage, vous mettez là-dedans. Donc ça permet déjà de garder le sac de couchage chaud et en plus vous aurez moins froid si jamais vous dormez dans un endroit comme ça, un peu en montagne, qui fait froid. Et le truc qui est cool d'avoir les deux mêmes sacs de couchage, et bah c'est que tu peux les dézipper et les rezipper ensemble pour faire un putain de king size. Queen size plutôt là je dirais. C'est un 140 hein, quand même. Ta-da ! On peut pas mal dormir là. Hein. C'est trop confort, j'ai envie d'aller dedans tout de suite. Tu peux manger dedans si tu veux. Là on a tout le bois, on peut utiliser pour le feu de camp. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ça c'est pour couvrir le feu de camp. Même du petit bois, excellent. Voilà, tout est super. On a mis la tente, ça va, elle est à peu près sèche. On devrait bien dormir. Juste le seul mystère qui reste, c'est qu'on sait pas où sont les toilettes, il nous en a pas parlé. J'attends un truc du genre, bah vous avez la place? Keep that up there if you want. And any kind of paper stuff you can just burn in the fire. Okay. Okay. Yeah, sure. Okay. Thank you very much. Have a good night. Stay warm. Yeah. On est tellement bien. Ouais. Donc ça c'est cool, on va pouvoir faire un feu. Et là on n'a pas été con, Mel et moi, c'est qu'on a même pensé à bien ramener des bières fraîches. Du coup les toilettes c'est genre faut marcher. Ah oui, et du coup les toilettes c'est bon, on a des toilettes, elles sont juste un peu loin de la tente. On va pas se lever en pleine nuit. Ah, je le vois. Maëlle ? Ah ouais. Si tu te lèves en pleine nuit, comment tu vas faire ? Pour aller faire pipi. Non, mais là ça va, c'est dégagé, je vais pas me faire. Et puis je pense qu'il y aura la lune, non ? Ça va éclairer tout. C'est fini. Voilà, quand on y est, j'ai bien l'impression qu'il va falloir aller faire dodo. Il y a une grosse mouche là. Bon, franchement, on est bien là, on est prêt à dormir. On a passé une super journée. Demain, on s'attaque à l'ascension du mont Talak, qui est quand même à 3000 mètres d'altitude. Donc là, on se couche un peu tôt, il est 10h, mais on est trop bien dans la tente avec nos lits king size. On s'est mis une lumière en haut là.
qui est juste parfaite. Du coup, demain, on va se lever assez tôt, je pense, avec le soleil. Et on ira commencer l'ascension assez tôt.